Voilà, nous avons terminé notre rond, le dessus de notre tête. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le motif. Alors, nous allons tirer 4 chaînes, 1, 2, 3, 4, et venir piquer au pied de la chaîne 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc avec la chaîne avec laquelle nous avons monté, ça nous fait 7 doubles brides dans le même espace. Alors nous allons compter 1, 2 et nous allons piquer dans le troisième espace. Faire une maille serrée. Une jetée et pareil, nous allons compter 1, 2 et dans le troisième espace, nous allons refaire 7 doubles brides dans le même espace. 6 et 7. Donc nous allons compter 1, 2 et dans le troisième espace nous allons faire une maille serrée. Un jeté, nous allons compter 1, 2 et repiquer dans le troisième espace et faire 7 doubles brides. Donc voilà. Une, deux, et nous allons venir piquer dans le troisième espace. Une maille serrée, une jetée, et nous allons compter une, deux, et dans le troisième espace, nous allons faire 7 doubles brides. Une, deux, dans le troisième espace, une maille serrée. Et nous allons continuer tout le rond ainsi. Voilà, donc je suis arrivée au bout de mon rang et je vais vous montrer comment on va rassembler et terminer le rang. Donc, une, deux, trois, je pique dans le troisième, mais je n'attache pas, je ne prends pas les mailles. Je vais aller piquer en haut de la, en haut des trois mailles que nous avions fait tout à l'heure. Je vais piquer et je vais prendre les trois ensemble. Comme ceci. Nous allons faire 4 chaînes pour monter. Et là, je vais repiquer ici, regardez. Je vais refaire 6 doubles brides là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec les 4 mailles avec lesquelles nous avons monté, ça nous fait 7 doubles brides. Donc là, je vais compter 4 mailles, 1, 2, 3, 4, et je vais venir piquer dans l'espace ici.
Je vais faire une jetée et là je vais venir piquer ici, regardez. Ici. Si vous voulez, vous pouvez compter 1, 2, 3 dans le quatrième espace et je vais faire 7 doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, je vais compter 1, 2, 3, 4. Là, on a ma fleur. Voilà. Et là, je vais venir piquer dans cet espace ici. Ici. Et refaire cette double bride. Quatre, cinq, six, sept. Là, nous allons compter quatre mailles, une, deux, trois, et venir piquer en haut de la quatrième. Voilà. Et là, nous allons venir piquer dans cet espace. Pour faire nos 7 doubles brides. Quatre, cinq, six et 7. Et là, 1, 2, 3, 4. On va piquer, maille serrée, une jetée et on va venir piquer ici. Et 7. On va venir piquer sur dans le septième, quatrième espace, pardon, 1, 2, 3, quatrième espace. Et voilà, une jetée. Et on va venir piquer ici. Là. Sept doubles brides. Cinq, six et 7. On va piquer dans le quatrième espace. 1, 2, 3, 4. Une jetée. Et là, on va venir piquer ici. 7 doubles brides. 4, 5. Voilà, et on va continuer ainsi jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. Alors, comme tout à l'heure, je pique en haut de la quatrième maille. Je vais en haut de la quatrième maille que j'en avais faite au début du rang. Là. Et on prend les trois ensemble. Et nous allons faire quatre chaînes et venir piquer au pied ici, au pied de la chaîne que nous avions faite, des quatre chaînes, pour faire nos 7 doubles brides. 5, 6 et 7. Et comme au rang précédent,
On fait pareil. On va compter, on va piquer dans la quatrième maille. Une, deux, trois. Là, quatrième maille. Hop, sans jeter, pardon. Là, maille serrée. On va les piquer donc ici. Ici. Et on va faire 7 doubles brides. Et 7. Pareil, nous allons piquer dans la quatrième maille. 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire en haut de la quatrième bride du rang précédent. Maille serrée, une jetée, et on va venir piquer dans cet espace. Et nous allons faire 7 doubles brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, on pique, on fait une maille serrée, une jetée et on va les piquer dans cet espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une, deux, trois, quatre. En haut de la quatrième maille, on fait une maille serrée et on descend. Une, deux, trois. Donc ça correspond à cet espace. Et nous allons faire 7 doubles brides. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. On va piquer en haut de la quatrième maille. Maille serrée, une jetée et on va les piquer en une, deux et faire 7 doubles brides, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, 1, 2, 3. 4, on va venir piquer en haut de la quatrième maille. Pareil, on va aller piquer dans la quatrième maille ici et faire 7 doubles brides. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va venir piquer donc en haut de la quatrième maille. Pareil, quatrième maille en bas pour faire notre double bride. 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Alors, je vous laisse terminer ainsi jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Donc, je suis arrivée à la fin de mon rang. Alors, on va compter 4 mailles encore. 1, 2, 3, 4. On va piquer en haut. Cette fois-ci, on ne va pas prendre les deux mailles ensemble. Nous allons récupérer la troisième maille ici pour fermer le tour. Voilà. Et on recommence, donc nous faisons 4 chaînes pour monter. On va piquer dans la même, à la base de la même maille des 4 chaînes que nous avions faites pour faire 7 doubles brides. 6
et 7. Donc, on recommence. 1, 2, 3. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4. En haut. Voilà. Une jetée. On va piquer en bas. Cette fois-ci, ici. Pour faire nos 7 doubles brides. 3, 4, 5, 6. Toujours dans le même espace. 7. 1, 2, 3, 4. Nous allons piquer en haut. Faire une maille serrée. Et on va venir piquer donc ici. Là, dans la première maille ici. Deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Donc nous allons compter une, deux, trois, quatre mailles, piquer en haut de la quatrième maille, faire une maille serrée. Voilà, vous voyez, notre bonnet commence à prendre forme. Donc une jetée et nous allons 1, 2, 3 piquer au pied dans la quatrième maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. De la quatrième maille, une maille serrée, une jetée, on va piquer ici, donc 1, 2, 3, 4, maille serrée, une jetée et on va descendre. Donc on va faire dans cet espace 7 doubles brides. Trois, quatre, cinq, une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Donc là, nous comptons 1, 2, 3 et nous allons piquer en haut de la quatrième maille, ici. Quatrième toujours maille en haut pour faire nos 7 brides. Toujours dans le même espace. 3, 4, 5, 6, 7. Donc, comme vous pouvez le voir, le modèle est très très simple. C'est toujours des répétitions. Donc, 7 doubles brides dans la même maille. Nous allons compter 1, 2, 3, 4. Venir piquer dans l'espace ici, dans le quatrième espace. Faire une maille serrée. Donc, ici, dans l'espace ici qui correspond à notre septième maille. Regardez, 1, 2, 4e, pardon. 1, 2, 3, 4e. Donc une jetée et là nous allons faire nos 7 doubles brides. 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, c'est ce que nous faisons à chaque fois, à chaque rang et nous obtenons ce joli petit modèle. Donc maintenant moi je vais vous laisser continuer et on va se retrouver à la fin. Donc voilà, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. 6 rangs, toujours la même chose. Et à la fin donc du 6e rang, on se retrouve. Si vous voulez que votre bonnet soit un peu plus long, vous pouvez faire une septième rangée. Donc voilà. Voilà, vous allez continuer ainsi jusqu'à faire 7 rangs et on se retrouve à la fin.
Nous avons terminé le bonnet. Vous arrivez, vous coupez le fil. Donc voilà. C'est un bonnet qui est très très sympa, très facile à réaliser. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire la petite fleur. Alors, nous allons commencer avec la laine rose. Donc, toujours avec notre boucle magique. Vous pouvez le faire comme ça. Là. Oups, raté. Moi, je fais mieux comme ça. On va piquer comme ça. Tenir les deux mailles et venir faire une chaînette. Voilà. Donc nous allons faire 17 doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors moi je vais compter pour être sûre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et encore une. Et voilà, donc maintenant je tire sur mon fil pour fermer. Fermer mon petit trou. Donc je vais venir terminer le rang, donc attacher le premier rang. Voilà, en piquant sur la tête de mes premières brides du rang précédent. Voilà, maintenant nous allons passer à la couleur blanche. Moi je coupe à la main, je suis pas prête de ciseaux. Voilà, donc j'ai un petit bout de laine blanche ici. Donc, je vais venir piquer ici, là, je vais faire passer mon fil, voilà, et je vais faire une, deux, trois, quatre doubles brides. Et je vais venir piquer. Pas ici, mais dans la deuxième maille. Là, une, deux, trois, quatre chaînes. Et nous allons piquer, pas dans la première, dans la deuxième. Voilà, en haut de la deuxième bride. Une, deux, trois, quatre. Donc, pas dans l'espace qui suit, mais dans le deuxième espace. On va faire des mailles serrées comme ça. Donc voilà, ça va nous faire l'espace pour nos fleurs. 1, 2, 3, 4. 1. Donc pas dans l'espace qui suit, mais à côté. Donc dans le deuxième espace. 1, 2, 3, 4 chaînes. Donc nous obtenons ceci. Une, deux, alors, piquer dans la deuxième. Une, deux, trois, quatre chaînes. Nous allons passer un espace ici. On va sauter celle-ci, on va piquer dans la deuxième. Une, deux, trois, quatre. Pas dans l'espace qui suit, mais dans la deuxième.
et 1, 2, 3, 4, et donc pas ici, et on va venir piquer ici, sans faire de jeté, venir piquer là, et on va venir se mettre ici. Donc nous allons faire 1, 2, 3 brides pour monter, et dans l'espace qui suit là, nous allons faire 1, 2 et 3 doubles brides. Donc nous allons faire 3 chaînes, 1, 2, 3, et nous allons repiquer dans le même espace et faire une maille serrée. Voilà, donc c'est pour former notre petite fleur. Donc nous allons faire une maille serrée dans l'espace suivant. Voilà, donc nous allons faire 1, 2, 3 mailles, c'est bien, 3 chaînes, 3 doubles brides, 1, 2, 3 doubles brides, pardon, 3 chaînes, et on va les piquer dans le même espace et faire une maille, voilà, serrée, voilà, et nous obtenons notre petite fleur comme ça. Alors, nous allons piquer dans l'espace suivant, faire une maille serrée comme ça, 1, 2, 3 chaînes, une jetée, et nous allons faire 3 doubles brides, 1, 2, 3, 1, 2, 3 chaînes, piquer dans le même espace et faire une maille serrée. Donc nous allons dans l'espace à côté faire une maille serrée, nous allons faire 1, 2, 3 chaînes, 3 doubles brides, 3 doubles brides, 1, 2, 3 chaînes, on descend, on pique dans la même maille, on fait une maille serrée, on va piquer dans la maille à côté, toujours en maille serrée, nous allons faire 3 chaînes, 1, 2, 3, on va aller venir faire 3 doubles brides, 1, 2, 3 doubles brides, 3 chaînes, 1, 2, 3 chaînes, on va les piquer dans dans le même espace, faire une maille serrée, on va les piquer l'espace à côté, faire une maille serrée, 3 chaînes, 3 doubles brides, 1, 3 doubles brides, là je suis partie, voilà, 3 chaînes, voilà, on va les piquer dans l'espace à côté, et 1, 2, 3, oups, 3 doubles brides, 1, 2 et 3 doubles brides, nous allons faire 3 chaînes, à les piquer là, donc on va les piquer dans l'espace à côté, voilà, 1, 2, 3 chaînes, 3 doubles brides, 1, 2, 3 chaînes, et on va venir piquer ici, là, on va venir piquer dans l'espace à côté, faire une maille coulée comme ça, voilà, et on peut couper notre fil et notre petite fleur est terminée. Il nous reste plus qu'à, donc ici je vais attacher, il nous reste plus qu'à rentrer nos fils et à le coudre sur notre bonnet. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Donc, voilà, vous pouvez le mettre sur votre petit bonnet. J'espère que ce tuto vous a plu.
Donc c'était mon tout premier tuto, j'espère que ça a été clair. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos.